Yo tout le monde, c'est Sam, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Uncharted Drake's Fortune, sur The Nathan Drake's Collection sur PlayStation 4. On approche de la fin du jeu, on arrive donc dans le 18ème niveau, le bunker. Et donc on arrive dans un environnement vraiment différent de tout ce qu'on a pu voir pour le moment. Là on est vraiment dans une espèce de port militaire, hein. On a vraiment quitté pour le coup la jungle et l'espèce de vieux sanctuaire qu'on visitait depuis la partie 13. Et on se balade un petit peu de tuyau rouillé en tuyau rouillé, d'ailleurs il bouge un petit peu, ça a pas l'air très très safe. Et on a décidé de laisser Elena donc, dans la salle de contrôle juste derrière nous là. Je bouge un petit peu mon micro pour être bien en face de mon écran, donc désolé si ça va, si ça fait un petit peu de bruit. Hop. Et donc du coup on l'a laissé et on viendra la chercher plus tard. Ici il faut faire ça comme ça. Ouais, nickel. Donc la caméra est toujours un petit peu buggée hein, malheureusement dans ces scènes de plateforme, mais vous commencez à avoir l'habitude. Je sais pas si il peut pas faire le tour. Ok, on est obligé de faire le saut, ce qui est un petit peu bizarre. Mais ici, bel angle de caméra. Au passage, on reviendra hein, dans cette salle, si je dis pas de bêtises, à la fin du 19ème niveau. Donc dans une bonne grosse partie. Mais on reviendra ici, je crois, dans ce port. Donc on arrive par là et voilà, on passe, on a traversé simplement tout le port, et ça fait très ça fait un peu Resident Evil en fait hein, cette caméra un peu caméra fixe là, je suis en train de me rendre compte, ça fait un peu Resident Evil quand même, on va pas se le cacher. Donc là bas il y a un truc, je vérifie juste qu'il n'y ait pas d'armes en fait, parce que je sais où est le trésor de ce niveau, il y en a un seul hein, d'ailleurs, ça va être le 57ème sur 61. Mais je voudrais bien avoir quelques armes, puisqu'on va avoir une flopée de pas de nouveaux ennemis, parce qu'on les a déjà vus une ou deux fois. Mais voilà, la MK40. La M40 Je sais plus. Je sais plus quel est son nom à cette arme. Je viens de le voir, mais c'est pas grave. Parce qu'on va avoir donc les ennemis qu'on affrontait dans le dernier niveau ou pas. Je sais même plus. Je sais plus si c'était le dernier niveau où on les avait déjà affrontés, ces ennemis-là. Là, il n'y a pas d'armes non plus. Aussi, c'était dans le niveau 17, hein, l'espèce de baroud d'honneur avec la mort des Diraja. Oui, c'était ça. Alors, est-ce qu'il y a une cinématique ici? Je sais même plus. Je ne pense pas, du coup. Donc non, on n'a pas le nom de l'arme. Ok, d'accord, parfait. Bon, 105, ça va être le max. Et donc, on va arriver dans cette espèce de grand labyrinthe. Oh, voilà, avec ces saloperies. Oups, pardon. Il faut juste que je fasse ça, par contre, voilà, que je coupe le son, parce que j'ai stream l'autre jour, et évidemment, j'ai mon son, j'ai mon retour de son dans mon Elgato qui sort. Enfin bref, vous connaissez si vous savez comment ça marche. Ici, il va encore y en avoir, normalement, voilà. Donc, bref, j'avais le son de... J'avais une double boucle avec le son de mon jeu. Là, normalement, il va encore y en avoir... Je voudrais juste aller récupérer mon trésor, parce qu'en fait je sais pas trop comment est-ce qu'on se balade dans ce maze, je le connais plus exactement. Hop, on va récupérer les munitions, et ici voilà, la figurine de singe en or, 57ème trésor, et dernier en fait de ce niveau, premier et dernier de ce niveau. Et je sais plus du tout par contre comment est-ce qu'on sort de ce putain de labyrinthe, donc ça va être très drôle. On va suivre un petit peu les... Je sais pas s'ils ont vraiment des noms ces machins là, enfin bref... On va suivre un petit peu ces espèces de méchants trucs bizarres là. Okay. Ouais, par contre, il s'est beaucoup trop approché très rapidement lui quand même, je trouve. Un petit peu beaucoup. Là, il n'y a que dalle. Je trouve aussi, et ça c'était une de mes premières critiques du jeu, que en fait, plus on avance dans ce jeu, on a deux, plus en fait on se rapproche de l'histoire, en fait, de l'histoire et de beaucoup de similitudes avec Resident Evil 4, si vous regardez un petit peu. Dites-moi qu'il n'y en a pas genre plein qui vont se ramener là. Il me semble en plus qu'il y en a plein qui vont se ramener par là. On se rapproche beaucoup de Resident Evil 4 en fait sur la fin de ce jeu, puisque je sais pas si vous remarquez, on est quand même dans une base militaire, et le chapitre 5 de RE4 se situe dans la base militaire. On se rapproche aussi du même genre d'ennemis, genre les trucs qu'on bute là ressemblent sensiblement aux Regeneradores de Resident Evil 4. Bref, ouais, ça ressemble quand même beaucoup, je trouve. Alors, par contre, je sais plus exactement comment est-ce qu'il faut sortir de cette salle. Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette salle, surtout. Tac, tac.
Il y a un truc au milieu, il y a deux gros. Il y a une porte là, c'est celle par laquelle on vient. Et là, il y a deux portes sur les côtés, oui. Dans chaque porte, va y avoir un truc à activer, si je dis pas de conneries. Genre, au bout, il y a un couloir et un truc à activer. Et je me souviens plus du tout ce qu'il faut faire là. Attends. Ça me dit vaguement un truc, ça, mais vraiment, j'ai pas du tout révisé avant de faire le niveau, donc je peux pas vous dire plus que ça. Tac, tac, tac. Salle des machines. C'est embêtant si je trouve pas. Ah, bah voilà, c'est bon. On avait simplement une espèce de grosse turbine avec une manivelle là. Fallait le dire. C'était aussi simple que ça. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que ça va faire? Ah, c'est bien ça. Voilà, on a les couloirs avec les machins là. Thank you.